Hello les girls, comment ça va? Bon, je suis désolée, je suis un peu à la bourre. J'ai pas vu le temps passer, j'étais en train de faire un petit quelque chose. Mais du coup, voilà, le temps est passé, le temps passe, le temps file, le temps passe trop vite. Je sais pas vous, je sais pas. Ah, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais alors, nom de Dieu, moi je trouve toujours que le temps passe trop, trop vite. C'est incroyable. Quand tu veux faire 15 choses, en fait, t'as le temps d'en faire deux, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien mettre pause des fois et avoir le temps de faire autre chose, c'est hallucinant comment ça passe trop vite. Allez, on va commencer par vite partager ce petit live. Yep. Donc vous aussi les filles, je vous laisse partager le live. Parce que vous savez, moi c'est ce qui m'aide à me faire connaître, c'est ce qui m'aide énormément, ce qui permet aux gens de découvrir ben, ce que je fais, ma petite passion. De découvrir mes petits produits, mon petit univers. Donc, n'hésitez pas à partager. Moi, c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis, je pense que ça peut faire plaisir à plein de monde. Donc voilà. Donc, on y va. On partage. Et on me fait un petit coucou, les filles, quand vous vous connectez. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Moi, c'est partagé de mon côté. Si vous pouviez me faire un petit coucou, que je sache si ça marche et qui est là aussi. Parce que des fois, je suis pas sûre. Allez hop, on s'accroche, on s'attache. J'aimerais bien réussir à caler un peu, mais c'est pas dit que j'y arrive. Coucou tout le monde, je vois rien du tout, je sais pas. Est-ce que vous pourriez mettre un commentaire, s'il vous plaît? Je sais pas si ça marche ou pas. Allez, je vais m'attacher les cheveux, ce sera beaucoup plus simple pour se maquiller. Et oui, je vous dis bien maquillée, mais vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, là, je suis maquillée. Mais parce que, c'est ce que je vous ai dit, c'est un petit live spécial. Vous voulez pas me mettre un... Alors, je sais pas si ça marche ou pas, les commentaires. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Mettez-moi un petit message, un petit truc, que je vois si ça marche ou pas. Que là pour l'instant j'ai pas de commentaires. J'ai vu un petit pouce-pouce passer, donc déjà ça marche, c'est cool. Mais je sais pas si les commentaires ils marchent. Mais si les commentaires ils marchent pas, c'est pas drôle quoi. C'est tout pourri. Je vois rien du tout. Est-ce que j'ai des trucs trop sympas aujourd'hui à vous montrer, à vous expliquer? Donc c'est un live un peu spécial parce que du coup vous le savez, alors j'ai pas eu le temps de vous faire un live avant parce que j'ai pas mal bossé et du coup bon je suis encore de nuit ce soir hein, mais là je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse un petit live déjà d'une parce que c'est les 6 ans de... Alors je regarde, c'est bizarre, j'aime pas quand ça marche pas. Ah cool, merci Vanessa, trop bien. Bon bah c'est bon, je sais que les commentaires ils marchent, trop cool. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais au mois de novembre, c'est l'anniversaire d'Unique et cette année, on fête les 6 ans. Donc, du coup, bah forcément, hein, je voulais faire honneur à la société, à l'anniversaire. Donc, cette année, ils ont choisi la couleur violette, le violet, pour pouvoir fêter l'anniversaire de Unique. Coucou Sandra, coucou tout le monde, faites-moi un petit coucou. N'hésitez pas aussi un coucou en replay, les filles, et je vous le rappelle, partagez. Je fais une petite aparté aussi, les filles. Je vous rappelle qu'il y a quand même un grand jeu concours, un grand jeu de novembre que j'ai lancé depuis le premier, qui dure tout le mois de novembre. Si vous voulez connaître les conditions, je vous laisse rejoindre mon groupe VIP. Donc, il suffit soit de me demander, soit... oui, vous pouvez me demander le lien, comme ça je vous l'envoie. Coucou ma belle Sandra, coucou Lydie, coucou les filles. Ah, je suis contente qu'il y ait un peu du monde. Merci beaucoup Vanessa pour le partage. Merci. Voilà, donc allez vite voir, allez vite rejoindre mon groupe VIP pour aller en savoir plus sur ce grand jeu du mois de novembre. À la clé, cadeau, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Cadeau pour le podium et lot de consolation pour la quatrième. Ça marche en points. Donc je vous laisse aller découvrir comment vous pouvez gagner des points. Mais je vous dis ça parce que de partager mon live, par exemple, et de me faire des commentaires sur mes publications, ça fait partie de points que vous pouvez gagner. Donc je vous laisse vraiment aller rejoindre mon groupe VIP, de partager un maximum ça, de taguer vos copines, faites circuler au maximum ce grand jeu concours parce que vraiment je vous promets que vous allez avoir de beaux cadeaux à la fin, donc ça vaut le coup d'y participer. Coucou ma belle Lydie, comment tu vas? Le genou, comment ça va?
Donc, du coup, je vous dis le violet. Donc, on va se faire un maquillage violet. Vous allez me dire, elle est folle, celle-là, elle est déjà maquillée. Mais oui, mais parce qu'il y a une subtilité dans le truc. Déjà, d'une, je voulais vous demander, les filles, est-ce que vous voyez la différence entre les cils de ce côté et ceux de ce côté? Est-ce que vous voyez ou pas une différence? Regardez. Moi, perso, je la vois. Hein. Alors, j'espère que vous la voyez aussi, parce que sinon, il y a un problème. Sinon, je suis folle. Dites-moi, les filles, est-ce que vous voyez une différence entre les cils de mes deux yeux? Ah, bah tant mieux, ma belle. Si ça va mieux. Cool. Continue à bien te reposer et à bien prendre soin de toi et de ton genou. Histoire de vite remarcher. Comme ça, tu me rejoins. Hop, hop, hop. Tu me rejoins vite dans l'aventure, Unique. Hop, hop, hop. On répare le genou pour aller. Pour me rejoindre chez Unique et faire la même chose que moi. Arrête, j'ai trop envie d'être ta marraine, alors on y va, on fonce. Hein. Plus épais sur mon œil gauche, ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Vous n'êtes pas d'accord qu'ils sont plus fournis, plus intenses, plus recourbés? Plus tout, quoi. Alors, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que, effectivement, celui-là, il fait déjà des beaux cils. Hein, vous pouvez regarder. Mais qu'en comparaison, là, c'est quand même hallucinant, je trouve, qu'on voit bien la différence. Eh bien, vous savez quoi? Celui-là, c'était mon ancien mascara, les filles. Celui-là, là. Et là, c'est le épique. Je voulais vous montrer déjà d'emblée qu'il n'y a quand même pas photo entre les deux mascaras que j'utilisais. Entre le mascara que j'utilisais avant, qui était mon préféré avant, et mon mascara épique que j'utilise maintenant. Il n'y a pas photo. Et déjà, celui-là, là, que j'utilisais avant, c'était le meilleur des mascaras que j'avais trouvé parce que j'en ai testé un certain nombre de marques de mascara. Hein, parce que moi, j'ai toujours aimé avoir des longs cils hyper épais, fournis et tout ce que tu veux. Donc déjà, celui-là, c'était celui que je préférais à l'époque, avant que je découvre celui-là. Donc voilà, déjà, je voulais vous montrer que quand même, le mascara épique, c'est juste une tuerie, les filles. Et qu'il est dans le cudo du mois. Donc le cudo du mois, les filles, pour vous expliquer ce que c'est. Parce que quand même, c'est le but du truc, pour vous dire, il y a quatre produits que je kiffe. Mais les filles, mais laissez tomber comment je kiffe ce cudo, c'est juste une tuerie, les filles. Moi, c'est des produits que j'adore. Donc, vous savez, il y a mon mascara épique, c'est mon chouchou. C'est le meilleur mascara de la Terre pour moi. C'est celui qui bat à plate couture tous les autres. Et en plus, voilà, là, vous avez la différence. Il n'y a quand même pas photo des deux côtés, quoi. Donc, vous avez le mascara épique. Et ce qui est cool, c'est que vous avez le choix dans la couleur. Donc là, moi, c'est le marron, mais vous avez le marron, n'importe quoi. Le noir. Vous avez le noir waterproof. Vous avez le marron. Et là, en édition limitée, ils ont sorti le violet. Donc, je suis désolée, je ne l'ai pas encore reçu. Je ne peux pas vous le montrer. Mais promis, dès que je l'ai, je vous le montre. Promis, 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 promis. Deuxième produit que j'adore, et vous le savez, je l'utilise très souvent, c'est le splash. Donc c'est pareil, le splash, les filles, vous choisissez parmi toutes les couleurs qui existent. Et en plus, pareil, pour l'anniversaire, ils ont sorti un nouveau splash. Donc c'est pareil, je l'ai commandé, je l'attends. Dès que je l'ai promis, je vous le montre. Il n'y a pas de souci. Pour vous donner une idée, donc vous pouvez aller voir les photos déjà, et pour vous donner une idée, c'est un lilas métallique. Donc voilà, forcément, lilas, c'est un violet clair, quoi. Voilà, donc moi, j'ai ça, là, c'est le premier que j'ai sorti, hein, c'est le showy. C'est l'un des derniers qui était sorti, mais vous pouvez vraiment choisir la couleur de splash que vous voulez. Oh, c'est vrai? Ah, bah non, alors. Après, ça dépend des lèvres. Ça dépend des lèvres. Il y a des lèvres où les encres vont tenir beaucoup mieux. Et il y a des lèvres où les splashes vont tenir beaucoup mieux que les encres. Ça, malheureusement, c'est vraiment en fonction des lèvres de chacune. Et c'est compliqué à savoir à l'avance, quoi, pour le coup. C'est compliqué de savoir à l'avance. Moi, par exemple, le splash, il me tient super bien. Et j'en connais plein qui, pour le coup, mettent le splash le matin. Et qui, le soir, en ont encore sans problème, quoi. Mais ça, c'est le souci des lèvres. C'est comme la peau, hein. On a des peaux grasses, des peaux mixtes, des peaux normales, des peaux machins, des peaux trucs.
Et ça, on le sait, voilà, entre guillemets, on peut pas le savoir à l'avance. Hein. Mais c'est dommage parce que après, voilà, après, tu peux t'en remettre, c'est pas, voilà, comme un rouge à lèvres un peu plus classique, c'est pas grave. Hein. Mais moi, déjà, rien qu'en fait, c'est la texture que j'adore et les couleurs que j'aime beaucoup. Donc, j'allais dire, même s'il me tenait pas toute la journée, en fait, je l'adorerais quand même. Bon, moi, en plus, il tient toute la journée, donc c'est encore plus cool, mais voilà. Et ouais. Plus les ans, peut-être, du coup, Vanessa. Mais voilà, après, rien ne t'empêche d'avoir quand même des splashs parce que t'aimes la texture et tout ça, quoi. Troisième produit, les filles, du Kudo, c'est les crayons pour les yeux. Donc celui-là, je vous le montre et c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Forcément, qu'il va falloir que je taille d'ailleurs, après. Là, c'est le Purposeful. Donc c'est celui que vous voyez sur les photos, en fait. Parce que forcément, sur les photos, ils ont mis tous les produits violets, vu que c'est la couleur violet. Donc c'est celui-là, du coup, que je vais utiliser. C'est le Purposeful, mais vous pouvez choisir pareil la couleur de crayon que vous voulez, les filles. Moi, l'encre tient super bien. Seul défaut, c'est sur... Ah, pardon, j'arrive pas à lire. C'est sûr, t'as les lèvres un peu abîmées. Oui, c'est clair. Absolument, Lydie. Après, ma belle, pour les encres, effectivement, ça assèche. Donc moi, je te conseille déjà d'utiliser tous les jours, et encore plus quand tu utilises l'encre à lèvres, l'exfoliant pour les lèvres. Ça te permettra d'aller avoir les lèvres hydratées, toutes douces, et qui du coup ont pas ces petites striures là, qui effectivement peuvent faire un petit peu plus moche. Donc ça, et si vraiment ça t'assèche trop, rien n'empêche. Alors, du coup, ça fait peut-être tenir l'encre un petit peu moins longtemps, mais tu peux rajouter un peu de lip bonbon sur ton encre à lèvres pour du coup faire un petit côté hydraté en plus de l'encre. J'ai le splash Stella. Ah, moi je l'aime beaucoup le splash Stella, je l'adore. Alors, les filles aussi, sachez qu'en fonction des couleurs de splash, il y en a, je trouve, alors ça c'est pareil, ça dépend des lèvres, mais sur moi, il y en a qui tiennent beaucoup mieux que d'autres. Et c'est pareil sur mes copines, il y a des splashs qui tiennent mieux que d'autres. Parce que je pense, je sais pas, c'est peut-être l'intensité de la couleur qui avec nos lèvres qui fait que certains tiennent mieux que d'autres. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Donc là, je vous ai présenté les trois premiers produits. Et le dernier, c'est le stick démaquillant, les filles. Donc là, vous comprenez quand même pourquoi. Je regarde quand même l'heure, j'essaye de me dépêcher. Parce que c'est pas que j'ai mon fils à aller chercher à l'école, mais un peu. Donc on va vite se démaquiller pour se remaquiller derrière, parce que je veux qu'on se fasse un petit make-up violet. Ah bah parfait. Et vraiment, Lydie, l'exfoliant, hein. Franchement, l'exfoliant pour les lèvres, faut. Ça, c'est pareil, hein. Ça fait partie des choses qu'on devrait limite tout avoir pour avoir des lèvres toutes douces. Donc voilà, donc le petit stick démaquillant, ça aussi c'est une tuerie. Donc quand je vous dis que je kiffe ce Kudo, c'est qu'il est vraiment extraordinaire. Il a des produits au top du top. Pour moi, c'est des indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage. Pourquoi? Parce que celui-là, donc je ne sais pas si vous le savez, et c'est pour ça que j'ai fait un trait de liner. Les eyeliners chez Uni qui tiennent juste extraordinairement bien. Vous pouvez passer la tête sous l'eau, il se démaquille quand même pas hyper facilement. Je vous referai une petite vidéo quand j'aurai le temps. Je vais essayer dans la semaine de vous faire une petite vidéo avec un démaquillage d'un œil avec le stick démaquillant et un avec de l'eau micellaire. Vous verrez que, bah alors ça bat pareil. Hein. C'est comme le mascara épique, ça bat à plate couture tout le reste. Hein. En fait, pour toutes celles, ça c'est vraiment extraordinaire aussi pour toutes celles qui ont la peau sensible et les yeux sensibles. Parce que grâce à ça, vous n'avez pas besoin de frotter. Des fois, là, on est là, on insiste sur les yeux. Alors, autant vous dire que vos cils, ils n'aiment pas ça. Parce que plus vous frottez, plus vous risquez de perdre vos cils. Pareil, vos yeux, ils n'aiment pas. Vous pouvez avoir l'œil tout rouge, etc. C'est vraiment pas agréable. Et pour celles qui ont en plus la peau et les yeux sensibles, c'est nul de frotter et d'insister comme ça. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'insister. Vous n'avez pas besoin de frotter comme une tarée. Ça part super bien. Donc je vais vous le montrer en live et on se remaquillera après. Moi je vous le conseille vraiment. Alors vous pouvez utiliser sur tout le visage, on est bien d'accord. Après, moi personnellement, j'utilise surtout pour les yeux et pour démaquiller les lèvres. Alors là c'est du gloss donc ça part très bien. Mais quand je mets du splash par exemple ou surtout une encre à lèvres qui des fois a vraiment du mal à partir, ça c'est extraordinaire. Pour le mascara waterproof aussi c'est génial. Donc voilà, je voulais vous montrer, donc c'est facile, hein, un petit stick. En plus, c'est cool quand vous partez en week-end. Je trouve que c'est vraiment facile à mettre dans la poche, dans le truc, c'est vraiment top. Donc c'est un petit stick, hein, comme ça s'appelle, stick démaquillant, c'est comme un stick. Et c'est hyper facile à utiliser, les filles, y a rien de compliqué, quoi. Donc on y va. En fait, vous allez passer votre stick sur votre œil. Donc vous avez vu, ça commence déjà à enlever rien qu'en passant. Donc vous passez
sur. Vous avez vu ça? Donc là, je vous montre. Moi, je le fais pas d'habitude, mais là, je vous montre qu'on peut le faire aussi sur tout le visage. Hop. Et sur les lèvres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez masser tout doucement. Donc on est d'accord, on va être moche pendant 2 minutes, mais on s'en fiche parce que le but, c'est qu'on ressemble à rien. C'est qu'on ressemble à rien au départ, mais qu'après, les filles. Parce que là, en fait, vous voyez, hein, je me masse les yeux, en fait, concrètement, avec mon truc. Hein. Je me masse les yeux. Hein. Je me fais pas mal. C'est tout en douceur, les filles. Donc, ok, on ressemble à rien. En même temps, quand on se démaquille, souvent, on ressemble à rien. On est bien d'accord. Hop. Et vous allez voir. Donc, vous avez vu déjà tout ce que j'ai enlevé juste avec mes doigts. Hein. Regardez-moi ça, comment ça part tout seul. Donc, je ne force pas, les filles. Hein. Je ne force pas. Je passe tout doucement sur mes cils, sur mes yeux. Et là, j'ai quoi? De l'eau. Je n'ai que de l'eau sur mon... Regardez ça. Je n'ai que de l'eau, les filles, là-dessus. Je n'ai que de l'eau. J'ai pas de démaquillant plus, j'ai pas de lotion, j'ai pas de tout ça, c'est de l'eau. Donc, c'est hyper doux pour vos yeux. Donc, vous avez vu mon... déjà mon trait de liner, autant vous dire que bah, y en a plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est extraordinaire, parce que vous avez vu comment ça démaquille bien. Vous voyez, j'ai plus rien là. Ça démaquille super bien. Et vous avez vu, je fais des tout petits mouvements tout doux. Je frotte pas. Ça passe, ça part tout seul. C'est vraiment, ça part tout seul. Donc quand on a les... Alors déjà, c'est génial pour tout le monde. Mais quand on a en plus les yeux sensibles, qu'on a tendance à faire des réactions ou d'avoir les yeux qui pleurent une fois qu'on s'est démaquillé, quand on a les cils qui tombent, quand on se démaquille, etc. Et bien, avec ça, c'est terminé. Regardez-moi ça. Ben, franchement. Vous pouvez pas dire qu'il marche pas, mon truc. Hein. Allez, on fait l'autre côté. Regardez-moi ça, comment ça part tout seul. Regardez. Non, mais sans déconner, regardez. Ça part tout seul. J'ai que de l'eau. Et j'ai juste mis mon petit stick avant, quoi. Et j'y vais vraiment tout doucement. Je ne frotte pas comme une malade. Je passe juste mon petit coton tranquillement sur mes yeux. Et c'est génial. Donc, vous vous abîmez pas les yeux. Ça vous démaquille en douceur. C'est franchement... Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis archi fan de ce truc. Parce que vraiment, je trouve que ça prend soin de vous, quoi. Donc, bien sûr, vous voyez qu'on peut faire le teint aussi. Donc, je le rappelle, je n'ai les filles... que de l'eau sur mon coton. Vous pouvez pas dire qu'il marche pas, hein? Ou que ça fait mal de se démaquiller. On va vite se remaquiller derrière. Ouh là là, ça pas du tout. Vous avez vu ça, les filles? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez pourquoi mon démaquillant, mon stick démaquillant est une tuerie? Ça démaquille hyper bien tout en douceur. Donc moi, c'est, je prends vraiment mon temps. Mais ben franchement, il n'y a quand même pas photo. Il n'y a rien à dire. J'ai plus une trace de mon eyeliner qui tient juste super bien. Je n'ai plus de mascara sur les cils. Je n'ai plus rien. J'ai tout enlevé. Franchement, c'est pas une tuerie. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste vous passer un petit coup pour le nettoyer. Comme ça, vous enlevez les saletés de votre stick. Hop, il est tout propre. Vous refermez. Et c'est fini. Et là, vous avez la peau qui est nettoyée, qui est toute propre. Et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas tué vos yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon super stick démaquillant? Ouh, j'ai oublié de remettre le petit, la petite protection, tiens. Il y a le petit cache, j'aime bien la remettre, ça protège, je trouve. Alors, vous en pensez quoi de mon petit stick extraordinaire, là? Vous n'êtes pas bavarde, hein? Ok.
Quelle heure est-il, Madame Persil? Allez, on va se maquiller. Au bout tant qu'on est démaquillé, on va se remaquiller, faut pas déconner, hein? On va utiliser le cudo du mois. On va utiliser le cudo du mois. Allez, c'est parti, on va commencer par mettre la base. Et j'attends vos commentaires sur mon petit stick démaquillant là. Regardez, il n'y a plus rien. Trop bien. Allez, la base pour le visage, on commence toujours par ça. Alors les girls, c'est presque dommage que ça soit un stick, ça serait un petit pot comme une crème, ça serait peut-être mieux. Après, il est super efficace, c'est sûr. Oui, ça. Alors après, moi j'aime bien en stick parce que je trouve que du coup, c'est pas très gros. Je trouve que pour le transport, c'est génial. Je trouve qu'à transporter, à caler, c'est vachement bien. Après, c'est juste que je trouve bien aussi, c'est que c'est solide. C'est pas liquide comme une crème. Mais effectivement, il pourrait créer les deux, par contre, je suis d'accord. Alors ça, c'est pareil, hein. Faut pas hésiter, Youni, ils sont toujours à l'affût des commentaires, de tout en fait. Ils sont vraiment. On peut leur dire, ben, ce serait bien qu'en plus du stick, en plus, hein, je dis bien en plus du stick, vous créez le même produit, mais en mode pot. Et je suis sûre qu'ils réfléchiraient à la question s'il y a plusieurs personnes qui leur disent, hein, ben, vraiment, c'est comme ça en fait qu'il y a aussi des nouveaux produits qui sortent. C'est parce que, bah, il y a un jour aussi, il y a peut-être une présentatrice ou une cliente, ou plusieurs plutôt, parce qu'une des fois, c'est compliqué. Mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, bah tiens, il manque tel, par exemple pour le mascara, bah, si vous voulez qu'il y ait un bleu qui sorte un jour, bah pareil, n'hésitez pas à écrire sur votre compte, au sub. Ben, il y a un endroit où on peut écrire nos idées, tout ça. On peut très bien dire, ah bah, ce serait bien qu'un jour vous sortiez un mascara bleu. Ce serait bien que vous sortiez un pot démaquillant comme le stick démaquillant. Faut pas hésiter à leur dire. Vraiment, faut pas hésiter. Allez, on va se prendre notre petit fond de teint et notre bébé crème. Mais ouais, en tout cas, bah, franchement, le cudo du mois, là, c'est vraiment quatre produits juste qui sont extraordinaires. Donc vraiment, les filles, foncez avant qu'il n'y en ait plus parce que là, il y a déjà un splash qui est en rupture. Il y a deux couleurs de crayon qui sont en réappro. Le stick, j'ai peur qu'il en vienne à être plus dispo non plus. Donc franchement, dépêchez-vous de vous prendre le cudo, les filles. Dépêchez-vous. Si vous avez besoin d'aide pour les teintes, pour choisir quel mascara, pour choisir quel crayon, quel splash, tout ça, vous me dites, les filles, vous m'écrivez, je vous aide à constituer votre cudo. Et en plus, vous le savez. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais vous le savez que moi, je suis en course pour le vert, là, sur le mois de novembre. Donc, autant vous dire que ça m'aiderait énormément. Et c'est pour ça que je vous demande de partager aussi, parce que ça m'aide énormément. Là, c'est hyper important. Faut que je cartonne tout au mois de novembre. Donc, voilà, j'ai besoin de vous pour ça. En plus, ben, ça, si vous suivez mon petit grand jeu de novembre, ben, vous saurez qu'en plus, ça va vous donner des points. Et puis en plus, on peut gagner un super sac pailleté trop beau si je vends un certain nombre de cudos. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein, tout est bon pour tout le monde. Vous faites plaisir, vous me faites plaisir, c'est le top quoi. Donc j'ai mis 4 gouttes de fond de teint, je vais y arriver, et une goutte de bébé crème sur mon petit pinceau fond de teint liquide. Et on y va, on passe de partout. Vous pouvez passer sur vos yeux, ça ne craint rien, les filles. Bon, ça a été pas trop dur la reprise pour les chouchous ou pour vous, parce que vous étiez peut-être en vacances aussi. Moi, j'ai repris, j'étais en vacances effectivement au début des vacances, mais j'ai repris depuis le 1er novembre en fait. Ma date de reprise, c'était le 1er novembre. Ouh, que ça a été dur, hein. En plus, te lever quand tout le monde. Bah, eux sont tranquilles chez soi parce que c'est férié. Oh là là, que c'est dur de se lever quand les autres y restent tranquilles. Ça, c'est comme te lever le dimanche matin, tu sais, ça c'est horrible. Horrible, le réveil du dimanche matin, tu te dis, oh là là, tout le monde est tranquille chez soi, peinard, et toi tu vas au boulot. L'horreur. Donc voilà, donc vous avez vu, j'ai passé de partout, je me regarde quand même dans ma petite glasses pour être tranquille.
Pula, dit Loulou, le correcteur. Parce que c'est pas tout, mais il y a des trucs à cacher, hein? Entre le mouton qui est venu s'inviter hier, je l'ai senti pousser au boulot, là. Je me suis dit, ouh, le con, celui-là. Ça, je sais pas si ça vous le fait. Vous avez rien le matin, puis au fil de la journée, vous vous dites, oh, il y a un truc qui pousse, là. C'est horrible, c'est horrible quand ça fait ça m'énerve. Oh là là, allez. Donc moi, je fais un petit mélange. Correct. Ben alors, c'est pas un anti-cerne, un lapis, c'est pour ça que je vous dis que je veux aussi m'en servir pour mon petit bouton. C'est que c'est un. Moi, j'appelle ça mon cache-misère. C'est pour cacher tout ce qu'il faut cacher, tout ce qu'on a besoin. Rougeur, cerne, bouton, tout, tout ce que vous voulez. Donc, pour les cernes, les poulettes, hop, triangle. Vous pouvez cacher un petit peu aussi là. Vous savez, on a souvent une petite veine bleue là. On n'oublie pas de me faire un petit coucou quand vous vous connectez et un petit coucou en replay aussi. Et on pense à partager le live. Au maximum, tout partout, faites-le voyager. Il faut qu'il fasse le tour de la toile, comme on dit. Même quand vous êtes en replay, hein, vous pouvez partager. Hein, vous pouvez partager après, une fois que le live est fini, c'est pas gênant. Je prends ma petite poire. Hop. Sur le site, ouais, ah oui, il est super couvrant. C'est correcteur peau parfaite ou concealer. Je crois que c'est à. Je te redirai, je te répondrai, j'irai vérifier le nom exact du site. Parce que comme moi, je l'appelle jamais de la même façon. Que je te dise le bon nom. Je revérifierai pour pas te dire de bêtises, je te redirai. Donc moi, j'utilise ma petite éponge pour faire pénétrer. Donc en tapotant les filles, hein, surtout pas en estompant. Sinon, vous allez perdre une partie de la couvrance de votre correcteur. Ce qui est quand même pas le but. On est d'accord. Je vais en remettre un petit peu parce qu'en fait j'en avais plus beaucoup sur la main et du coup j'avais pas mis assez. Oh bah de rien ma belle. De rien, de rien. Parce qu'en plus j'en ai plus pour cacher mon sublime bouton. Donc je sais pas si vous voyez mais je mets des mini gouttes. Hein. C'est des petites noisettes de rien du tout que je mets. Donc votre tube, il vous dure très 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 longtemps. Hop. Donc moi j'avoue que j'utilise le pinceau correcteur et après l'éponge pour estomper. Vous pouvez y appliquer aussi au doigt. Ben voilà, après, vous faites aussi avec ce que vous avez. Donc voilà, vous cachez ce qu'il y a à cacher. Hein. C'est pour ça que j'appelle pas ça un anti-cerne. C'est pas pour rien, les filles. C'est parce que vraiment, ce n'est pas qu'un anti-cerne. Allez, un peu de poudre bronzante, les poulettes. Donc sous l'eau, on fait le petit poisson. Et on vient se le mettre dans le creux. Donc on applique nos parties déjà, entre guillemets, si on peut dire. Attendez, je vais poser mon truc. On est en train de me faire des bêtises. Donc là, on est d'accord, c'est pas joli. On vient estomper. En faisant un 3. En fait, ça vous fait un 3 sur le visage, en fait, les filles. Vous avez vu? Tac, ça fait un 3. J'ai une envie d'aller travailler cette nuit, c'est formidable. Vous penserez à moi quand vous dormirez. Pendant que moi, je ne ferai pas dodo. Allez.
On va se mettre un petit coup de blush. Ça me gratte le bout du nez. Je regarde l'heure quand même. Histoire que je me bouge un peu. Donc là, j'ai pris le séductif, les filles. Ça fait pas longtemps que je l'ai celui-là, mais j'avoue que je l'aime bien. Donc voilà, petit blush, ça donne un petit coup de fraîcheur là à votre maquillage, ça fait toujours joli. Allez, ensuite on vient se prendre la base paupière. Vous avez vu, j'en mets pas beaucoup. Là, on a l'impression qu'elle est teintée en fait quand on la met sur le doigt, mais quand vous l'avez appliquée, elle n'est pas teintée, hein. Donc moi j'en mets toujours un petit peu en dessous aussi parce que j'utilise mes fards aussi pour faire un petit trait de liner. Yep. Donc pareil de l'autre côté, vous en mettez bien paupière mobile, creux de paupière hyper important. Vous pouvez remonter jusqu'au sourcil, on s'en fiche, de toute façon c'est transparent, donc ça craint rien. Et on va laisser sécher le temps de sortir nos petits fards. Ah, attendez, faut que j'arrive à caler. Hop, voilà. Chic chic, tchouk tchouk. Où sont. Elle est où ma palette? Là. Ah, oh, punaise. J'arrive pas à la sortir. Ah! J'arrive pas à la sortir. Donc, ton violet, les poulettes. Donc, on va utiliser déjà le crafty qui est ici, là. Le violet qui est là. Donc, bien sûr, on utilisera celui-là. Qu'est-ce qu'on va s'utiliser d'autre? On va voir. Peut-être utiliser l'ambigousse, tiens. On va se faire un mélange des deux. Celui-là et celui-là, là. Et puis on verra si on se rajoute une petite pointe d'un plus foncé en extérieur. On va voir. On va se voir ça. Allez, on va commencer les fifilles. Je vais prendre mon petit pinceau. Chic chic chic, ils sont pas bien propres. J'ai pas le temps de les nettoyer, c'est pas bien. Bah. Toujours nettoyer ses pinceaux, dit-elle. Bon, l'avantage c'est que j'ai mon superbe shoot, mon petit stick démaquillant. Mon petit stick démaquillant. Quand je vous dis que je kiffe mon stick démaquillant, c'est que maintenant je dis que ça n'importe quoi. Mon nettoyant pinceau, je voulais dire, bien sûr. Qui me permet d'avoir des pinceaux propres en 2-4-2, même s'ils ne l'étaient pas juste avant. Vous avez vu, il était dégueulasse. Maintenant, il est tout propre. Coucou ma belle Johanna, comment ça va ma chérie? C'était bien ton anniversaire hier? Alors, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? T'as allé au resto? T'as fait quoi? T'as fait la teuf? J'arrive, hein, je nettoie le deuxième parce que j'ai forcément aucun pinceau de propre, sinon c'est pas drôle. Attendez, je nettoie mon pinceau. Je suis en train de m'en mettre de partout, mais enfin c'est pas grave. Ah bah tant mieux alors. Tant mieux. Bah ouais, ça va bien. Ça va bien et toi? Ça va bien, bien, bien. Allez! On vient se prendre. Alors j'hésite en fait. Je ne sais pas lequel est le plus foncé entre les deux. On va se faire dans ce sens-là, on va voir. Ah! Trop cool la petite teuf. Puis c'est déjà bien le petit resto. C'est cool déjà, je trouve. Allez, on va se prendre la couleur ambigousse qu'on va se mettre sur la paupière. Oh, mais t'es trop chou, toi. Arrête, je suis pas belle, je suis pas maquillée encore. Tu pourras me dire ça quand j'aurai fini. Là, pour l'instant, il y a encore de quoi faire, quoi. Il y a encore de quoi faire. Là, je suis encore pas au top, là. Je suis encore pas au top. Donc, on fait un maquillage violet pour les 6 ans de Unique. Bon, et t'as négocié alors comme cadeau d'anniversaire ou pas? Elle est de l'autre côté, on met pareil aussi, ambigousse.
Oh, mais t'es trop chou, toi. Mais t'es trop gentil. Mais ça fait plaisir, merci. Même si j'avoue que moi je trouve que j'ai une sale gueule quand je suis pas maquillée, mais ça fait plaisir. Je me suis mis le pinceau dans l'œil comme un boulet là. Ah. Yeah! Allez, zou! T'en as parlé à tes parents, c'est ça? Ils t'ont dit quoi? Allez, c'est franchement les filles, pour celles qui hésitent encore à s'inscrire, arrêtez d'hésiter, franchement. Alors là, c'est un peu un cas différent, mais faut pas hésiter, les filles. Novembre, c'est un mois de folie, c'est une tuerie. On a un cadeau de malade, on a le Black Friday qui arrive à la fin du mois. Ben, c'est un truc de ouf, quoi. Le mois de novembre, c'est le meilleur chiffre d'affaires de Unique. Donc, c'est vraiment... C'est le mois pour se lancer, quoi. Vraiment, vraiment. Qu'ensuite, on va prendre Crafty, là. Donc, le violet mat. Donc, il y a un petit effet satiné. Mais voilà, discret. Et on vient... Du coup, l'appliquer, là, en extérieur. Bon, en fait, je pense que je vais laisser comme ça. Je ne vais pas forcément aller mettre une autre couleur par-dessus. Comme ça change un peu. Vous voyez aussi qu'on peut faire des make-up sympas avec seulement deux couleurs. Qu'il n'y a pas besoin de forcément de faire quelque chose de tarabiscoté pour... Oui! Ah, je suis trop contente, ma belle! J'ai trop hâte! Trop, trop hâte! Ah, c'est trop cool! Trop bien. Eh ben, tu sais quoi? Vivement que tu sois dans l'équipe. Tu vas voir, ça va être trop génial. Trop hâte. Toi aussi, Lydie, hein? Go, 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 hein? Moi, j'adore. Je suis trop contente quand il y en a qui me rejoignent dans l'équipe. C'est con, hein? Mais j'ai l'impression d'être une maman avec ses petits poussins, quoi. C'est débile, hein? Parce que il y en a qui sont même plus vieilles que moi. C'est trop con. Franchement, c'est trop con. C'est vraiment, c'est débile, des fois. Je me dis que c'est un peu con-con. Mais j'avoue que moi, en fait, mon équipe, c'est mes petits bébés, quoi. Ouais, c'est mon équipe, c'est moi qui la monte, c'est moi qui la crée. Je les vois s'épanouir, évoluer, s'éclater. C'est franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Et j'avoue que du coup, ouais, c'est mes petits bébés. Alors, il y en a qui sont plus vieilles que moi, mais c'est pas grave, c'est mes petits bébés quand même, je m'en fiche. Moi aussi, j'ai trop hâte. Oui! Dis donc, Lydie, on se moque pas, hein. Attention, hein. Que je peux sévir aussi, hein. Faut pas croire, hein. Je suis gentille, mais attention, hein. Allez, on prend son petit pinceau estompeur pour venir estomper dans le creux de paupière. Parce que, vous le savez, il faut un maquillage joli. C'est un maquillage estompé. Oui, bah oui, ah bah franchement, alors, tu pourras poser la question aux filles de l'équipe. D'ailleurs, dans le goût. Alors, je le redis pour celles qui ne le savent pas. J'ai créé un petit groupe d'information pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'aventure Uni, qui se posent des questions, qui savent pas trop ce que c'est, comment ça marche, etc. Et donc, du coup, pour toutes ces personnes-là, j'ai créé un petit groupe où avec mes filleules, certaines filleules de l'église, celles qui avaient envie, parce que moi, je dis toujours que je ne force personne à faire quoi que ce soit. Donc, pour celles qui avaient envie, en fait, on a fait des petits lives, des publis, des choses pour répondre aux questions de tout le monde. Et en fait, eh ben, ça permet bah, de se retrouver, d'apprendre à se connaître déjà un petit peu. Et puis du coup, ça permet aussi de vraiment à celles qui s'intéressent à ça bah, d'avoir réponse à toutes leurs questions à peu près, normalement. Donc, Lee et Johanna, t'en fais partie. Si t'hésites pas, tu veux leur poser les questions pour savoir bah, quelque chose. Et si effectivement, je prends suffisamment soin de mon équipe, tu peux leur poser. Normalement, elles te diront oui. Si c'est pas le cas, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Mais normalement, elles te diront oui. Merde, je vais me faire petite quand je vais à Lyon. Pourquoi, Lydie? Pourquoi tu vas te faire petite? Je sais plus ce que j'ai dit du coup, parce que j'ai parlé. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit pour que t'aies dit ça. Sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je viens juste retravailler un petit peu l'extérieur. Et en fait, je viens faire mon petit estompage. Ah, merci, ma douce. Je viens juste faire mes petits mouvements de zigzag pour mélanger mes deux couleurs. Ah, je veux pas que tu sévisses. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça.
Non, mais je dis ça, mais c'est pas vrai en plus. Je sais pas, c'est vire. Même avec mon fils, j'ai du mal à leur imaginer. Hein. Même si il faut que je le fais, hein, mais moi, quand je dois punir mon fils, limite, ça me fait plus mal au bide à moi qu'à lui, quoi. C'est horrible. Mais bon, des fois, il me cherche tellement la merde qu'on n'a pas le choix de le faire, hein, mais. Donc là, j'ai juste retravaillé un petit peu mes couleurs pour vraiment avoir ce que je veux. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, ces petites couleurs-là? C'est pas souvent que je pars sur des couleurs comme ça. Mais là, c'est l'anniversaire du Nick. Il fallait mettre du violet. Donc vous avez vu d'avoir bien estompé en haut, ça permet d'avoir quelque chose de bien flouté, de bien mélangé sur le haut. Et pareil, d'avoir bien flouté entre mes deux couleurs, ça permet d'avoir vraiment. Alors j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de bien. Bah, d'avoir un vrai dégradé en fait. Coucou! Ah bah parfait, merci! On va venir prendre, si je le retrouve, mon petit pinceau. Faut que je regarde l'heure. Ouh, faut que je me bouge. Faut que je me bouge. Je parle, je parle, je parle. Et du coup, j'avance pas. Et ça va être l'heure. J'allais chercher mon fils à l'école. Donc, je vais reprendre la couleur crafty que j'ai mise sur l'extérieur, juste pour me faire un petit trait de liner en dessous. Donc, juste léger. Ouais, je trouve que ça va bien ensemble aussi. Je regarde un peu ce que j'ai fait pour voir si ça va. Ça a l'air d'aller. Ah, mais ça va mieux avec ce quoi en fait. J'ai mis de la lumière en fait et ça va mieux. J'ai allumé la lumière de mon miroir et ça va bien ensemble. Allez, on va vite se mettre le crayon. Après le mascara. Je vais juste vite fait mettre mon exfoliant pour les lèvres. Justement, je vous en parlais, donc autant l'appliquer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'en ai-je fait? Tralala. Je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, bref. Ah, si, il est là. Quand t'as pas de cerveau, t'as pas de cerveau. Coucou! Allez, hop. Comme ça, pendant que je finis les yeux, j'ai mon petit exfoliant qui fait son effet. Allez, je vais tailler mon crayon. Parce que regardez, la mine, c'est pas possible. Hein. Elle est pas assez taillée. Donc, avec mon petit crayon, mon petit taille crayon. Unique, bien sûr. Hein, parce qu'au moins, il me détruit pas mes pinceaux, mes crayons. Parce qu'il y a plein de taille crayons qui détruisent les pinceaux. Donc, c'est les pinceaux, les crayons. Je vais y arriver. Les taille crayons qui détruisent les crayons. Je vais y arriver. Donc, on y va. On vient se l'appliquer. Donc, je le redis, les filles, vous n'êtes pas obligées de choisir celui-là. On est bien d'accord. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc voilà, c'est fait exprès hein, que j'en ai mis un qui est subtil parce que je voulais que ça reste dans le violet. Donc ça fait juste un petit dégradé de plus en fait. Allez, l'autre côté. Donc c'est ils sont à balles d'huile de oh là là, je vais y arriver, d'huile de jojoba les crayons. Ils sont géniaux parce qu'ils sont gras. Donc en fait, vous les appliquez hyper facilement, mais ce qui est encore plus génial, c'est que attendez, je me concentre et je vous le dis après. Coucou Marine, coucou tout le monde. On n'hésite pas, on me fait un petit coucou quand on arrive, quand on est en replay, on partage surtout, c'est important. Donc vous avez vu comment il est beau, je vous le montre sur la main, parce que du coup, regardez comment il est canon celui-là. Il est magnifique. Je suis très très fan de cette couleur, elle est canon. Elle va à tout le monde. Trop beau. Donc je peux pas bien sûr mettre le mascara violet, parce que je l'ai encore pas reçu. Je vous referai un live pour vous montrer le mascara violet, bien évidemment. Ah bah c'est pas le moment de m'appeler du coup. Allez, on met le mascara. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Allez, c'est parti.
Donc oui, je disais, les crayons, huile de jojoba, les filles, donc ça glisse hyper facilement. Vous avez vu, j'ai pas du tout galéré à l'appliquer. C'est gras. Par contre, une fois que c'est appliqué, ça sèche et ça ne bouge plus. Ça coule pas, hein. Vous n'aurez pas l'effet petits yeux de panda quand vous aurez pas voilà l'effet yeux de panda à la fin de la journée avec votre crayon qui a coulé. Coucou Patricia, je suis désolée, j'ai pas pu répondre du coup. Coucou Catherine, coucou tout le monde. Allez, on n'oublie pas, on partage, hein. Ça m'aide beaucoup pour ma course au statut vert, les filles. J'ai besoin de tout le monde là. Et puis il y a le grand jeu de novembre qui est en cours sur mon groupe VIP et ça vous donne des points en plus. Donc voilà, donc votre crayon il sèche, il bouge plus, vous êtes tranquille, il tient toute la journée. Vous pouvez le passer sous l'eau, ça bouge pas. Vous le frottez, ça bouge pas. Donc voilà, c'est vraiment une tuerie quoi. Vous avez vu ce mascara? Vous pouvez. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. C'est juste extraordinaire ce truc. Qu'est-ce que vous en pensez, les fifis? Ça vous plaît? Donc voilà, vraiment là c'est. Je vous montre le. Effectivement, on fête l'anniversaire d'Unique avec la couleur violet. Non, pas maintenant! Non, non, ce soir à 4h30 pour aller chercher Elio. En fait, je devais être. Vous vous souvenez, je vous ai dit ce week-end que je devais être 2 jours, donc c'est effectivement à la base vous deviez aller la chercher à midi aussi. Mais elles m'ont passé de nuit. Donc du coup, là, je vais le chercher, je le ramène à 2h30 et par contre, c'est vous qui le prenez. C'est vous qui le reprenez à 4h30. Et Jérémy vous a dit hein, qu'il dormait chez vous, j'espère. Je mettrai le sac avec lui à l'école cet après-midi. Donc là, j'ai juste fait une connerie, alors je viens juste nettoyer ce que j'ai fait. J'adore, j'adhère. Merci Johanna. Je suis pas fan des couleurs flash, mais pour le coup, j'adore, c'est super beau. Merci. Bah, j'avoue que moi aussi, je suis plutôt très fan là, du coup. Je vais juste réparer ma petite boulette et après, on va se mettre le. Voilà, parce que du coup, je m'étais enlevé un petit peu de couleur, forcément, ça marchait pas. Moi, c'est pas forcément. Ok, mais j'ai vu que c'était 11h15. Oui, bah, j'y vais en fait. J'y vais. L'avantage, c'est que je mets pas longtemps pour aller à l'école. Donc dès que j'ai fini le live, j'y cours en fait. Allez, on enlève le. Oh oui, il faut que j'y aille. On enlève vite le stick, je mets le splash et je file les filles. Allez, on a enlevé l'exfoliant. On met vite le splash. Je prends le sentimental. Ah. Fais la boulette. Allez. Donc enlevez bien l'excédent de votre splash avant de l'appliquer, les filles, il y en a trop dessus, hein. Oui, il est mat. Le seul qui ne l'est pas, c'est celui qui est en édition limitée, le lilas métallique, les filles. Celui-là, il sera, bah, comme le nom l'indique, hein, il sera métallique, donc il sera pas mat, mais les autres couleurs sont mat. Si vous voulez, si le cudo vous intéresse, que vous voulez les couleurs, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai les couleurs qui existent. Voilà les poulettes, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, besoin de quoi que ce soit, vous savez que je suis disponible
en MP, donc vous m'écrivez, je serai très contente de vous répondre. Je vous fais vite, 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 j'adore. Merci. Ben, du coup, on partage les poulettes, hein, en masse, on partage le live en masse. Je veux que ça fasse le tour de la Terre. Merci les filles. Je vous laisse, je vous fais vite des gros gros bisous, parce que sinon je vais être à la bourre à l'école et je vais me faire taper sur les doigts. Je vous fais des photos de toute façon les filles, il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh ben n'hésitez pas, que ce soit pour le Kudo, pour un autre produit, pour me rejoindre dans l'aventure, pour n'importe quoi, bah, vous m'écrivez. Merci les filles, merci beaucoup, ça fait plaisir, je suis très contente que ça vous plaise. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, bisous, bisous.